Il ne mange pas. Il ne meurt pas. Il est là. Les Juifs l'appellent Yahweh. C'est-à-dire lui qui vit par quoi? Il vit par lui-même. On ne sait pas ce qui le fait vivre. Il assiste un trône. Depuis que le monde est créé, c'est la fin. Il assiste seulement. Mais il ne meurt pas. Quand tu as l'acclamé, toi aussi tu as t'asseoir. Personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra te manger. Je pensais que je parlais à des vivants. Je pensais que je parlais à des ressuscités. Tu es venu avec ton célibat. Tu vas repartir avec ton mariage. Tu es venu avec ta galère. Tu vas repartir avec ta bénédiction. Tu es venu avec ta maladie. Tu vas repartir avec ta guérison. Tu es venu avec ton chômage. Tu vas repartir avec ton travail. Tu es venu attaqué par les sorciers. Mais quand tu vas descendre, on va t'annoncer qu'ils sont tombés. Au village, au plus sommeil. On va compter jusqu'à 3. 1. Alléluia. Alléluia. Si un cri a fait tomber un mur de Jéricho, ton cri va faire tomber ton mur de Jéricho. 2. Oh,
Alléluia, nous avons la joie. Alléluia, nous avons la joie.
ressuscité les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Yeah.
L'essentiel de mon village a changé. Oh yes. Quelque chose va se passer. Il a dit quelque chose va se passer. Il y a ouvert l'église à Yopougon et puis ça s'est fermé. J'ai ouvert l'église à Yopougon et puis ça s'est quoi? Vous savez qui a fermé l'église? Non. C'est une qui est dans ma main, c'est ce qui a fermé l'église. Un quartier à Yopougon, on dit les bêtés là, les chanteurs bêtés là, ils en prennent une salle là-bas pour chanter. Je ne sais pas si c'est oublié, ex-baron bien quoi. J'avais commencé l'église à Yopougon. Vous savez ce qui a fermé l'église à cette ville? Le papa n'est pas là. La maman a quatre filles. On est dans la cour, on a commencé l'église, ça s'est rempli. En moins de deux mois, on était cinq. Les gens venaient, Dieu se manifestait. Le premier jour où il a pris une, et puis il dit, Seigneur, lui qui fatigue la personne, les personnes de cette maison, lui qui fait que les filles ne se marient pas, il n'a qu'à tomber au village, il n'a qu'à mourir. Qui est mort? Le papa de la maison est mort. Ne jouez pas à huile. Tu prends l'eau, tu mets huile dedans, tu remues bouteille. Quand il est qui en haut? Huile. Tu prends pétrole, tu mets huile, tu remues bouteille. Quand il est qui en haut? Il ne reste jamais en haut. Faut pas t'amuser, huile est. Une que tu as versé aujourd'hui. Touche mon baf là. Quand il dit Seigneur, le mois prochain, il dit il va me marier. Le gars dit voilà, il a entendu. Il a dit le mois prochain, son mari dit il va la marier. Allons serrer, allez attaquer. Ils se mettent nus, elle est face dure. Le village là-bas, ils écrivent ton nom, ils prennent monsieur, elle est face, ça finit, mariage est gâté. Le gars dit là, remassaka braba. Même ils disent, tu parles encore. Il dit, la première personne qui était de fatiguer la famille, elle n'a qu'à mourir. La semaine qui vient, qui est mort? La papa est mort. Il n'y a plus d'église. La maison pleure. Funérailles, ouah. Pourquoi il dit ça? Il y a 50 000 ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a fait funérailles de leur papa. Dès qu'il l'a enterré, il a recommencé à prier. Une des filles est morte à la maison. Elle s'attendait à qui? Cinq amateurs s'attendaient à qui? Celle qui s'attendait à le papa là. C'est un qui a suivi. Il a fui en mettant le boulot. Mais il a l'impression qu'il allait tuer tout le monde. Il y a une fille qui m'a appelé à la radio. Elle dit papa, ça ne monte pas. Ton huile là, ça ne monte pas. Il avait appelé pour demander si l'homme était mon homme. Tu as prié. Tu dis, tu as versé huile après la prière. L'homme là m'a montré qu'il n'est pas mon homme. Il vient de me dire, merde, je suis libéré. Ta prière ne ment pas. Il y a un jeune homme qui m'a appelé, il dit, il y a une fille, je veux la marier, mais je veux savoir si elle est ma femme. Hein? Le petit, la Gaël, hein? Il n'a qu'à venir arranger le truc. Ceux qui sont derrière là-bas, là, c'est là-bas, il y a la prise. Vous qui êtes derrière, quand vous touchez le fil, ça s'éteint. Et puis c'est une ampoule aussi qui est bizarre. Quand ça s'éteint, ça prend quelques minutes avant de se rallumer. Ça ne s'allume pas vite. Donc vous qui êtes au coin là-bas, évitez de toucher le fil. Car elle-même ne sait pas où il est cet enfant. Alléluia. Amen. Le gars m'appelle et puis le gars dit, papa, je veux savoir si c'est ma femme. Il dit, mon fils, je ne sais pas si c'est ta femme. Tu veux la marier? Non, il dit, je ne sais pas si c'est ta femme. Mais quand il prie, Dieu fait. Tu veux savoir si c'est ta femme? Seigneur, montre-lui si c'est sa femme. Il m'a rappelé, il dit, c'est pas ma femme. Ta prière est trop puissante. Il dit comment? Il dit, je l'ai appelé à le village. Dès que je l'appelle, elle dit, oh, laisse-moi dormir, mon maître là. Il dit, comment une femme que je peux marier peut me dire ça? Et après, on m'a appelé pour dire qu'elle couchait quelqu'un au village là-bas. Ta prière est puissante. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Aujourd'hui, tu es venu avec des larmes de pleurs, de souffrance. Mais tu vas repartir avec des larmes de joie. Je suis le paracommando de Jésus.
L'homme qui a fait 3 ans et demi de veillée de prière. Il cherche quelqu'un qui a le bac. On a commencé une veillée de prière tous les vendredis en 2001. On a arrêté en 2004. C'est comme ça que les gens m'appelaient l'homme qui fait veiller tous les vendredis. Un jour, il priait, une femme est tombée, elle a mangé le sable, ramassé poussière. Elle dit, mais madame, je ne t'ai jamais vu ici. Elle dit, elle vient de Petit Paris. Il n'avait jamais entendu ça. Elle dit, Petit Paris, c'est où? Elle dit, Bassam. Je suis venu former des héros. Et il y a des gens qui les regardent, comme mon fils Adam. Je sais que c'est des héros. Amen. Et tous ceux qui vont prier ce soir-là, vous êtes déjà exaucés. Amen. Mon Jésus est réel. Amen. Mon Jésus est quoi? Réel. Il est réel. Seigneur, qui fatigue cette famille depuis les gens ne se marient pas? Seigneur, c'est qui fatigue? Il a versé la semaine, le papa qui était vivant. Il est tombé au village là-bas. Il est mort. Sa bras griselle qui s'entend. Même sa femme ne s'entend pas. Elle a accompagné. Il a fui en même temps le poumon. Il ne voulait pas tuer toute la famille. Il ne voulait pas tuer toute la famille. Parce que s'il versait 3e, ça allait les tuer tous. Écoutez, quand on va finir de prier, que vous allez aller à la maison. Quand on va finir de prier, que vous allez à la maison, vous dites seulement, je consacre mon salon au nom tout puissant de Jésus. C'est fini. Je consacre ma douche au nom tout puissant de Jésus. C'est fini. Je consacre mon magasin, ma boutique. Il y a une fille qui tressait. Tressait seulement mèche là. Elle me donnait 5 000. Elle a commencé. Elle me donnait 5 000, ça dit. 5 000, ça veut dire la combien? Elle avait 5 000. Papa m'a dit, son atelier s'appelait la main de l'éternel. Il est même assis là-bas. Papa m'a dit 5 000. Un moment, elle est montée à 15 000. Elle avait combien maintenant? Elle avait 150 000. Un moment, elle est montée à 32 000, ça dit. Elle est montée à combien? Elle avait 320 000. Les autres tresseuses, chez elle, est remplie. Chez les autres tresseuses, elle est vide. Les gens se coiffent chez elle, jusqu'à un mec tabouret dehors. Dans la rue. Et puis ses filles tressent. Un bon matin, ces filles-là sont venues à 6 heures pour venir balayer, arranger. Elles ont vu quelque chose comme placali devant la porte. Les autres tresseuses, elles sont allées voir Maradona. On dit, j'étais ça, ça a plus marché. La première qui a essayé de ramasser, mot de tête. Mot de quoi? Mot de tête, hospitalisé au CHU. La deuxième qui voulait ramasser dans la clinique, elle-même, elle est venue. Elle dit, bon, moi-même, la patronne, elle a ramassé mot de tête. Quand elle est là comme ça, l'eau quitte dans son nez pour tomber à terre. Moi-même, j'ai vu. Elle dit, papa, regarde, quand elle s'épanche comme ça, ça fait toc. Toc. L'eau propre, hein? L'eau propre, ça sort comme ça. Elle dit, ma tête me fait mal. Son truc ne marche plus. Les clients maintenant s'en vont chez les autres. Je suis venu m'asseoir à 9h. Elle dit, papa, tu es là, non. Regarde, tu vas voir si quelqu'un va rentrer. Je suis assis là, je cause elle. Elle n'a tellement qu'il n'y a pas de client, elle a honte. Les vendeurs d'assiettes, là, ceux qui se promènent dans la rue, qui vendent sous pierre, là. Elle se cache et elle dit, viens, viens, viens. Elle a payé quelques soupières. Elle dit, papa, il est quelle heure? J'ai dit, 11h. Elle dit, tu as vu quelqu'un? J'ai dit, non. Il n'y avait personne. J'ai dit, ma fille, rassemble toutes tes tresseuses. Quand ils vont me voir bouteille d'huile le matin, ils vont dire, tu as amené un sorcier, un marabout. Parce que le matin, tout le monde va dire, c'est quoi sa prière? Elle dit, fais-moi venir. À quelle heure vous fermez? Elle dit, on ferme à 18h. J'ai dit, elle vient à 19h. Il ne faut pas que tes filles vont fuir. Elles étaient là. On est arrivé dans la maison en bois, on s'est fermé. Magasin en bois, on s'est fermé, il faisait chaud. Vous, les filles qui tressez ici, là, qui couchez un garçon? Vous qui couchez un garçon à genoux. On ne peut pas faire prière, puis votre péché là-bas venir bloquer prière. Quand c'est celle qu'on fait avortement, 2 doigts, 3 doigts. Demandez pardon. Seigneur, je ne tue plus enfant. Seigneur, je ne tue plus enfant. Quand on a fini, il dit bon, on va prier. Déjà, les tresseurs savent prier. On a prié. On a prié. La fille a prié. On a prié. Quand on a fini, j'ai pris lui. Et puis il est versé dans son magasin. Hein? Lui ne ment pas. Lui il reste toujours en haut. La vérité reste en haut. Quand tu as versé dans ta maison, les sorciers. Non, on m'a dit d'aller au village. Ça fait, il est en train de fuir ta maison. Depuis là, il ne va pas. Il faut aller verser. Non, c'est-à-dire qu'on m'appelle au village pour aller me reposer. Vous allez les voir fuir comme ça.
télé là a commencé à remarcher chez les autres, c'est devenu vide, ne jouez pas à l'huile. Le Seigneur accompagne cette huile là. Quand un homme consacré prie, le Seigneur accompagne ça. L'huile n'est rien, on peut prendre pour guérir, on peut prendre pour jeter. Mais comme un homme de Dieu a dit, Seigneur, consacre cette huile, l'Esprit de Dieu suit la parole de son serviteur. Amen. Il y a des gens dans la maison, il n'y a aucun bonheur qui rentre. C'est parce que cette maison est blindée. Quand tu as versé l'huile, au nom du Seigneur, tu vas voir les bonnes nouvelles de ton Amen. Atelier de ma fille a commencé à marcher. Atelier l'a marché jusqu'à. Elle est montée peut-être vers 300, 400 kilomètres. Les gens ont commencé à revenir après notre prière. Alors, les autres petites tresseuses, elles ont créé par là, mais elles, ces tresseuses. Et quand elles venaient séparer, il y a une qui a pris l'âme Nelson. Elle a ouvert ma fille depuis sa tête. Sur sa joue en bas, tu vois, c'est ouvert comme ça. C'est les gendarmes qui sont venus les ramasser. Parce que son atelier marche. L'homme noir est mauvais. C'est pourquoi l'homme blanc va toujours le commander. Sauf les enfants de Dieu. Le blanc peut pas commander. L'Africain sera toujours l'esclave du blanc. Sauf le chrétien. Parce que le chrétien est l'esclave de Jésus. Sinon, regarde comment ils sont. Moi, je n'ai rien contre les Libanais. Un Libanais va freiner si un noir. Le noir va dire, pardon, tu as failli me conduire. Mais quand c'est son frère noir qui a freiné, tu es malade. Tu as l'air de conduire, ils ont plus peur. Ils ont plus peur. Atelier la marché qu'ils ont ouvert ma fille. Ton magasin, ton commerce, ça va marcher. Après ma prière, ils ne savent pas ce que tu fais. Ça va marcher. Tu es de Marie. Tu es enfanté. On va prier sur lui. Amen. On va prier. On va quoi? Amen. On va quoi? Amen. On va prier. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je suis l'apôtre des nations pour lui. Ils vont se bêter de gagne-moi. Ziplignant. Pas de coups. Nous les bêtons, on est à la haie. Donc dis, qui a gagné les élections? On n'a pas peur. On est dans la main des bêtons, on dit qui a gagné? Dites qui a gagné les élections. C'est comme ça nous on est. Alléluia. Amen. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Mais pourquoi mon visage est jeune? Parce que je jeûne beaucoup. Vous, avez-vous voyez ma femme? Elle a pris 3 jours sans manger, sans boire. Elle est descendue aujourd'hui. 3 jours à sec. C'est un couple qui jeûne. On n'est pas comme vous. Pas ma joue quand on mange à checker, pas quoi, pour avoir quoi du tout. Femme, comme ça, je suis. Femme est bête, quand on mange, tu dis, tu vas mouler à volonté. Non, ce chanteur de souffle, il va trop plus. Femme a joue quand on mange à checker, pas quoi, pour avoir quoi du tout. Femme, comme ça, je suis. Femme est bête, quand on mange, tu dis, tu vas mouler à volonté. Jeûne! Jeûne! Vous pensez que la sorcière là, il ne jeûne pas. Jeûnez, jeûnez. Payez le prix. Payez le prix, jeûnez. Il n'y a même pas encore commencé même à prêcher. Payez le prix. Rentrez dans un moment de jeûne. On va voir si les sorciers sont plus forts que vous. Les chrétiens sont plus forts que les sorciers. Il y a 3 petites filles comme ça. 3 petites filles, on les a enceintées. 3 petites filles. Elle est petite, mon bébé est devant, bébé est derrière. Hé, hey, il a commencé l'église en 2007. Venez, venez. Pourquoi on vous enseigne comme ça? Non, papa. Et la villa. Tous ceux qui louent la villa ne la payent pas. Ça fait 5 ans. On est obligé de coucher un garçon pour manger. Hey. Et puis papa, dans les locataires, il y a un monsieur là. Chaque jour, il se lave dans la cour la nuit. Et puis le matin, on voit sang. Où il s'est lavé, il y a du sang. Tiens, le monsieur, il fait des pratiques pour empêcher à leur papa de demander l'argent. A dit leur papa qui t'a nommé beau sans fils. Il dit, oh Dieu, mais elle est chassée. Quand il arrive, il rit à tout le monde, ça va. Ça va. Et toi, ça va. L'homme qui dit, sans les chasser, il arrive, ça va. Ça va. Et toi, ça va. Tu as dormi aujourd'hui. Elle regarde leur papa. On les a enceintés. Petite comme ça. Elle a commencé l'église en 2007. Elle prie à moi. Elle est comme ça. Elle prend un mot dont elle attache. Bébé, bébé qui a accouché. Papa, ils sont dans la maison, ils ne payent pas. Non, papa dit, je vais les chasser. Quand on arrive, on pense qu'il les a chassés. Il a su au milieu depuis cause. Mais il y a un gars qui se lave chaque nuit.
Il dit, le monsieur là, c'est lui qui a fermé la bouche. C'est lui qui a fermé la bouche de votre papa. Hey, un bon dimanche matin, elles ont ramassé quoi? Elles ont ramassé la carte d'identité du monsieur. On ne sait pas comment ça fait, elle a oublié, c'est tombé. J'ai pris la carte d'identité du monsieur et j'ai jeté à terre. Mes pasteurs avant, c'est pas eux, mes premiers pasteurs avant, Goa Hugues César, il dit maudit le match 7 fois dessus. 1, 2, 3. Quand il a fini, il y avait un évangéliste qui s'appelle Jean. Jean, maudit-le devant tous les fidèles. Moi-même, le pasteur, je te maudis, monsieur. Il a fini de le maudire. 2 semaines après l'avoir maudit, un cousin brigand, il a quitté à Port-Bouy. Il était saoulé. Il est venu à la maison. Hé, la petite, là, il y a quoi à manger? Il n'y a rien. Et puis, il a dit, il y a quoi que vous faites, enfant? Un cousin brigand, il était saoulé. Il y a quoi que vous faites, enfant, pour qu'est-ce qu'il y a? C'est pas papa, les gens ne payent pas, mais vous allez voir comment Dieu répond à leur prière. Dieu a amené un soula. Non, souvent on doit boire un peu coup de cou. On doit boire un coup de cou. Il est arrivé comme ça, il dit, il dit, à quoi on vous enseigne? Elle dit, c'est pas papa, ça fait 5 ans, les gens ne payent pas. Et puis il dit rien. Maintenant, c'est lui maintenant le soula, il tape chaque porte. Il dit, vous trouvez normal, vous êtes dans la maison, déjà, vous ne payez pas. Il tape chez le voisin, ça sort. Il dit, écoute, dans 2 semaines, il revient. Les gars pensaient qu'il s'amusait. Il est parti prendre drogue. Il est revenu. Non, lui seul, il n'a pas péché. Le jour, la drogue, là, c'était pas un péché. Parce que c'était... Non, lui, il est saint. Il est parti prendre coup tout coup. Quand il est arrivé, la fille l'explique. Il prend son pied, casse la première porte. Il fait sortir la bagarre. Pendant qu'on lui tape un pilon, il est dans le deuxième coup. Casse. Il fait sortir gaz. Les gens ramassent, ils mettent dedans. Ils ont commencé à se battre, les policiers sont venus séparer. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ils sont ici, ça fait 5 ans, ils ne payent pas. Les policiers ont dit aux locataires, vous trouvez quoi? Vous trouvez normal? Nous-mêmes, on vous donne 3 mois. La maison a été libérée. Les nouveaux locataires ont payé quoi? Chacune a commencé à manger et elles ont arrêté de se tenir aux hommes. Celui qui se lève dans sa maison sera libéré. Celui qui se lève dans son foyer. Papa, faut venir commencer celui-là. Il s'est arrivé là-bas, il y a verset 1 dans la maison. Maintenant, je vais me présenter. Je suis l'apôtre des nations. Ici, c'est le temple de Jésus, le lion de la tribu de Judas. Quand je prêche à la radio, je dis Maki Kedjebo. Voilà le Maki Kedjebo derrière vous ici. Voilà, c'est un grand Maki. Et le carrefour s'appelle Petit Marché parce que quand tu vas tout droit derrière la route, le Petit Marché est là. Nous prions ici mardi enseignement, mercredi, jeudi, combat spirituel. Actuellement, nous tous nous sommes dans 31 jours de jeûne. Nous tous, on a commencé, on finit le 31 jours de jeûne. Mais mercredi, jeudi, vendredi, c'est un moment de combat spirituel. Nous prions et nous combattons de 20h à 21h45. Le mardi, c'est enseignement. Maintenant, le dimanche, il y a 3 cultes. Le premier culte commence à 9h et finit à 10h30. Deuxième culte, 10h30 midi. Dernier culte midi, 13h30. Mais le premier dimanche, comme ce premier dimanche qui arrive, c'est un culte. Parce que ce jour-là, on prend la sainte, c'est la communion. Donc le culte dure un peu. Donc c'est de 9h à 13h, parce qu'il y a la sainte sainte. Ce dimanche, une femme ne faisait pas enfant depuis 4 ans. Elle allait, on dit, elle a kiss. Après ma prière, kiss s'est transformé en bébé. Elle fait la sortie de ce bébé. Si tu veux voir ce miracle, viens ce dimanche, elle va faire sortir de l'enfant. Je répète, ils ont mis Kiss ovarien. Dans son ovaire, il y a Kiss. Il a touché dans mon bureau. Parce que moi, j'ai prié pour qu'elle fasse enfant. Ça fait 4 ans, le bébé ne vient pas. On dit c'est Kiss. Il a continué de prier. 2 mois après, on dit, vous êtes enceinte de bébé de 8 semaines. Donc, ça veut dire que le Kiss, là, 2 mois après, ça fait 8 semaines. Donc, c'était un bébé qu'ils ont vu en Kiss. C'était pour la décourager. Mais 8 semaines, ça fait 2 mois. Donc en réalité, c'est un bébé, mais l'appareil a fait sortir Kiss. 2 mois après, elle vomit. Bizarrement, 31 décembre arrive, elle vomit. Ses amis font, elle a vomi jaune. Elle s'en rend, dit, madame, tu accouches en août. Elle dit, quoi? On dit, il y a Kiss. Le docteur dit, ma fille, tu accouches. Si tu n'accouches pas 1er août, tu seras étonné. Après ça, tu seras étonné. Donc elle va montrer à son bébé ici. Jésus fait des miracles. Jésus fait quoi? La deuxième qui va présenter son bébé, elle est là. Elle est où? Elle est où? Viens. Elle est devenue folle.
folle, vraie folle. Elle a accouché, elle a marié le premier orateur de la veille, le plus jeune pasteur, André. Elle a accouché, elle est devenue folle, vraie folle. Ils l'ont amenée partout, à l'hôpital, tous les hommes de Dieu, même chez moi, même dans ma chambre, ma femme et moi, nous portent, déchirent tout, frappe, tu parles là-bas, dis tais-toi, chiffre le pasteur, saisis mon col. Elle est devenue folle, vraie folle même. Elle reconnaît plus son mari, parle, elle dit tais-toi, tais-toi, toi tu es qui? Pasteur Biz, tu es qui? Elle est devenue folle, elle a déchiré tous les habits de son mari, c'est moi, elle a pris une chemise pour lui donner. Il a dit, il faut garder ça. Mais il a dit au démon, celle-là, on va présenter son bébé, il dit, on peut présenter. Amen. Il dit, on ne peut pas présenter, tu es menteur. Tais-toi, pasteur. Tais-toi, pasteur, elle est devenue folle. L'homme noir est mauvais. Elle a accouché. Elle est devenue folle. Sa maman est dans mon salon. Sa tante est dans mon salon. Elle parle, elle se déshabille. On court sur elle. Elle veut enlever sa jupe. Elle monte ses seins. On saute sur elle. Mon fils même est fatigué. Depuis 2 semaines, sa femme est folle. Elle attrape, elle le secoue. Il n'a plus de force. Mon médecin allait prendre chemise. Elle dit, il faut garder. Mais garde ta chemise déchirée. Celle-là, elle va guérir et puis elle va présenter. Le démon dit, elle dit ça. Ma fille Alphonse Galaba, elle pleure. C'est une fille de l'église. Elle est devenue folle. Il a regardé le démon et dit, on va monter. On va descendre. Elle va guérir et elle va présenter son enfant. Tout ce que le diable t'a dit, c'est ce que Dieu t'a dit qui va arriver. Sois bénie, ma fille. Donc, après, qu'est-ce qui est devenu bébé? La folie qui est devenue normale va se présenter. Jésus fait des miracles. Une femme faisait pas enfant, son mari l'a chassé. Elle est partie à Yopougon. Quand elle revenait, elle-même a dit, je passe, je vois église en haut. C'est comme ça qu'elle parlait. Elle dit, quand je passe à toi, je vois église en haut. Un jour, il dit, elle est montée. Oh, les médecins lui ont dit, tu as trop de myomes. Les myomes sont trop dans ton ventre. Et quand c'est comme ça, c'est impossible d'avoir enfant. Elle est venue, elle s'assise là. Il ne sait même pas qu'elle ne fait pas enfant. Quand on l'a chassée de foyer. 7 mois après avoir prié, nous, elle rentre dans le bureau, un petit garçon, puis sa petite soeur. Elle dit, papa, elle t'a dit quelque chose. On m'a chassée de foyer. Parce qu'après cet enfant, 10 ans, enfant encore ne vient plus. Donc le monsieur qui essaie d'aller prendre là, ce n'est pas son enfant. Donc, l'enfant qu'il a eu là, lui, il cherche son enfant. Il dit, il ne fait pas enfant, il m'a laissé. Mais il a prié ici, sans te dire qu'il ne fait pas enfant. Je suis enceinte. On l'a présenté ici, non? Ceux qui prient ici, on l'a présenté, non? Elle a fait quoi? Elle a fait garçon. Elle dit, quand papa dit, mettez votre nom, vous avez mal, il met ma main sur mon ventre. Quand il dit, recevez, elle dit, je reçois mon bébé. Oh, le docteur dit, c'est impossible que tu tombes enceinte. Quelque chose va t'arriver ce soir. La bague qu'on ne veut pas que ça vienne sur ton doigt, la bague là va venir sur ton doigt. La maison qu'on ne veut pas que tu habites, cette maison là sera pour toi. La voiture sera pour toi. La maison sera pour toi. Le voyage sera pour toi. L'humiliation sera pour ta seigneurie. Le passant que tu as demandé pour Dieu. Je vais présenter tous mes pasteurs et puis mes fils. Et puis après ça, on va adorer. Et puis maintenant, on va présenter l'huile à Dieu. Quand on va présenter, mon frère, quand on va présenter l'huile à Dieu, c'est fini pour tes ennemis. C'est fini. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, ce qui est dans l'huile là. Yes, sir. Le premier pasteur que je vais présenter, c'est le responsable de tous les pasteur, il est rempli de sagesse. Amen. Il est avec moi depuis que j'ai ouvert l'église en 2007. C'est le plus vieux. Depuis qu'il a commencé l'église, c'est le plus vieux. Le responsable des pasteurs, quoi, Olivier? Viens, mon fils. Je veux te montrer. Alléluia. Un homme humble, dynamique, rempli de paroles de connaissance. Acclamons Jésus. Et sa femme est la responsable. Sa femme est la responsable du groupe musical. Viens, ma fille Anne. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Qui m'a invité à la radio quand elle a dit, il y a une de mes filles qui partait faire son mariage et puis a jamais voiture l'a raté. Il a prêché à la, tu as entendu, il dit voiture l'a raté et puis les gens voulaient insulter le chauffeur. Et puis quelqu'un l'a tiré, quand la voiture est passée, elle voulait dire merci et puis il n'y avait personne, c'est elle. Amen.
Elle voulait dire merci. Elle était à Djamé. Ils se mariaient dans la semaine. Elle allait faire les courses. Il y a une voiture qui arrivait. Et tout le monde, elle s'est passée, elle doit aller devant. Quand le monsieur voulait la conduire, une main l'a tirée derrière. Quand la voiture est passée, les gens disaient, imbécile, bâtard, arrête pas ce elle dit, je vais me tourner pour dire merci. Il n'y a personne là. Hein. C'est moi qui célébrais leur mariage. Ils ont 3 enfants. Amen. Son papa marchait. Et puis un coup, il partait tomber. Oh, quand tu es tombé, ta main fait quoi? Ça vient devant, non? Ils ont attrapé sa main en sorcellerie. Il dit, mon fils, ma main est bloquée. Il est tombé sur sa figure. Lunette là, s'est cassée. Dieu merci, ce n'est pas resté dans son œil. Ne jouez pas les sorciers. Son grand frère Joseph, il dit, lui, il prend le gâteau de mariage. Il marche à 500 000 voitures. Voiture a quitté sur la rue. Lui et puis ses camarades. Ramasse. On dit, on va prendre le gâteau là. Il est arrivé au mariage Esparadra. Un mariage bonbon. Moi-même, le jour où je me marie, les Français ont bombardé l'avion de Côte d'Ivoire. Un mariage bonbon, je suis assis comme ça, puis tout le monde fuit la salle. Mon témoin de mariage, c'est un métisse. Les Blancs ont bombardé l'avion. Son papa l'a appelé pour dire à cause de ton thé, on peut tomber sur toi. Il a dit, je suis assis ma femme, tout le pays est mélangé. Les gens ont marché, mon beau-père, il a marché de Bakounika. Les gars, pauvre. Le jour, les enfants de moi ont dit, fuyez, on nous a mis dans la voiture, on n'a même pas coupé le gâteau. Fuyez, on allait dans l'hôtel. On est dans l'hôtel et puis on va appeler Goudé. Ivoirien, Ivoirien. Le pays a mélangé. Sortez, dis-toi. Vous avez gâté mon mariage. Je vous attends. Ils ont gâté mon mariage. C'est l'eau de robinet, ma femme et moi, on boit. On n'a pas fait. On se penche pour dans la douche pour boire. Ça, c'est un mariage. Je suis le quoi? Le para. Je suis un guerrier. Sois béni. Amen. Je vais présenter mon fils à Adjumani Kwame Nestor. Alléluia. Adjumani Kwame. Essayez de soutenir ton truc là. Ceux qui sont là-bas vont voir. Maestro a amené soutien. Maestro, donne ta caméra un commando et puis ils vont faire. Alléluia. Je l'appelle le sapeur-pompier de mon ministère. Le sapeur-pompier. C'est-à-dire où le feu a allumé là, lui, ça a été. On acclame Jésus pour ça. Je vais appeler mon fils, le pasteur de l'église de Marc-Olivier. La personne pour tirer photo, donne à quelqu'un. Tu sais comment on tire? Le petit rond, tu appuies bien. Viens demain. Voilà, on a église à Marc-Olivier, voilà le pasteur. Le pasteur craint Sévérin. Et sa femme est la narratrice, elle est là. La narratrice de gloire, viens ma fille. C'est sa femme qui lit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. On acclame Jésus. Je veux honorer ma fille. Ne pensez pas qu'il a prêché longtemps. On est venu pour poser une action. Voilà. Donc je tue le temps pour ne pas que si on a fini vite, d'autres vont dire, je ne sais pas où aller. Voilà la première fille. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Après, je veux bénir. Le pasteur Noé n'est pas là. Ah, je ne l'ai pas vu. Noé là. Voilà. Après Olivier, voilà le deuxième qui est venu. Après Olivier, le plus ancien. Voilà le deuxième, le plus ancien. Pasteur Noé, où est sa femme? Où est sa femme? Appelez sa femme. Un jour, elle a rendu témoignage. Une femme est mariée, ça fait 4 ans, elle ne faisait pas enfant. Et puis elle dit, papa, le docteur dit, je ne peux plus faire enfant. Il dit, eux, ils ont parlé, mais Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Elle est tombée enceinte après 4 ans. Voilà sa femme. Voilà. Quand elle parle à la radio, elle est passée là. Là, voilà. Elle s'appelle Franciane. Non, Francette, c'est ça? Voilà. On acclame Jésus pour le coin, le bébé de miracle. Le docteur dit, tu n'as jamais tombé enceinte. Même quand tu as eu retard, ce n'était pas grossesse. Parce que tu ne peux jamais prendre ventre. Donc, le retard que tu as eu là, tu as pensé que tu étais enceinte. L'analyse révèle que tu ne peux jamais tomber enceinte. Voilà, bébé. Où est bébé là-même? Ah, mais bébé, là, on voit le miracle dans la radio. On dit, non. Vous savez pourquoi le miracle des bébés est grand? L'homme peut créer poupée. L'homme peut créer robot. L'homme ne peut pas créer l'homme. C'est Dieu qui crée l'homme. Les gens voient accoucher le monde comme si c'est là. Il y a une femme à Galois qui fait tomber les gens. C'est un bébé dragon. Attends. Dieu n'a pas mis bébé dans ton ventre. Et puis le diable, lui, là, il... Donc, le diable peut créer l'homme. Il y a des bébés qui ne sont pas normaux. Portez-les, maman, quand ils vont grandir. Portez-les, papa. Fouillez dans le frigidaire, enlevez tout ce qui est là, bois. Quand tu dis, les enfants comme ça, ils finissent mal et puis la police les abat quelque part. De l'eau les prend.
dans la lagune. On parle de vrai l'homme. Vrai l'homme. Voilà le bébé. 4 ans. 4 ans. Présent le bébé là-bas. Parce que quand il parle à la radio, il y a une fille qui a fait 4 ans, faisait pas enfant. Le pasteur est maudit. Là voilà, le couple, soyez bénis. Je vais bénir le Seigneur pour mon fils Armand, Yao Armand, pasteur de Yopougon. Lui, il a laissé des anciens. Parce que l'église a commencé en 2007, même mes prières là, où il faisait venir des prières pour avoir mes premiers fils pasteurs. Et puis après, quand il a arrêté la veille de prière, il est parti. Et puis après, il est revenu. Il est revenu quand on avait déjà fait l'église. Il dit, je retourne chez le Père. Il est le plus ancien de tous. Avec ma fille Marceline, viens. Ma fille Marceline, la plus ancienne. Depuis 1999, elle est moi. Aujourd'hui, elle est devenue ma secrétaire. Viens ici, on te parle avec toi là-bas. Que le Seigneur te sauve. Voilà, le jour où m'appelait puis elle décroche, je ne pensais pas que c'est ma copine, mais c'est elle qui décroche. Je l'ai prise comme ma secrétaire parce que les numéros deviennent beaucoup. Les gens de la radio là, quand il a présenté ta femme et ton fait ça, quand vous appelez là, l'animateur de la radio a bic et feuille. C'est lui qui demande, il s'appelle comment, pourquoi. Le directeur veut savoir sa radio va jusqu'à où. Donc quand les gens disent j'appelle de Dabou, il est content. Ah, ça va jusqu'à Dabou. C'est pourquoi ils vous demandent votre nom et votre commune. Sinon, ce n'est pas moi, c'est eux, ils notent. Donc, vos numéros là sont trop sur papier. Parce que moi, il y a un registre pour vous amener un message. Je ne peux plus écrire, venez à la veille. Donc, c'est elle maintenant, elle prend mon téléphone et puis elle balance le message à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui m'insultent, mais ce n'est pas grave. Moi, je ne comprends pas les gens de la radio. Hein. Ils t'écrivent, pasteur, je souffre. Tu leur réponds. Le lendemain, ils disent, qui m'a envoyé un message? C'est le passage de la radio. Comment vous avez fait pour m'envoyer un message? Et comment ton téléphone, comment ton numéro a fait pour venir dans mon portable? C'est la dernière fois que vous m'avez donné un message. Boum, les gens coupent. Moi-même, je me demande s'ils sont normaux. Un jour, un monsieur m'a appelé. Ça vous prend, ça vous prend comme ça d'appeler les gens, d'envoyer un message aux gens. Il dit, monsieur, comment ton numéro s'adirige? Je m'en fous de savoir comment ça arrivait. C'est la dernière fois. Faux pasteur, ne m'envoyez plus de message. On n'a plus maintenant de vous écrire. On ne sait plus comment on va vous écrire. Je vais appeler la femme du pasteur de Yopougon, ma guerrière Saint-Tiche. Ils étaient ensemble, ils n'étaient pas mariés. Depuis 1999, aujourd'hui ils sont mariés. Combien d'enfants? 3 enfants. Ma guerrière Saint-Tiche. Elle est où? Elle est en bas. On acclame Jésus pour sa femme. Le pasteur Samuel, viens mon fils. Alléluia. Ah, la barbe de Habakkuk. Lui, il a le pasteur de Pauboué. Mais son lieu pour indiquer l'église de Pauboué est trop compliqué. Deuxième arrêt derrière Adoufou, Carrefour Zouglou. Moi, je à la radio, mais je ne sais pas comment il a parlé. Carrefour quoi? C'est Carrefour Zouglou. C'est ça. Carrefour Zouglou et puis école là, ça fait comment? École gloire divine. Deuxième arrêt Adoufou, Carrefour Zouglou. Qui n'a pas envoyé ici? Qui n'a pas envoyé? Ah, les gens n'ont pas envoyé. Allez prier à mon fils, il est où? Sa femme est là? Elle n'est pas venue. Combien d'enfants? 2 enfants. On acclame le Seigneur. Je vais prendre le pasteur Kone. Vous voyez comment il y a beaucoup de personnes. Je suis un apôtre. Le pasteur Kone. Là, c'est le bloc. Une brèche, il en prend le mot. Il n'a pas les gros moyens qu'on a accordé les gens qui regardent comme ça. Alléluia. C'est quelqu'un sur Facebook qui m'appelait toujours Daddy, 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 Daddy. Et puis je l'ai aimé comme ça. Et puis il a devenu mon fils. Aujourd'hui, il est mon pasteur. Et il va bientôt se marier. Amen. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais appeler pasteur, le dirigeant, pasteur Charles. Viens. Après Adjumani, c'est le plus grand danseur. Entre les deux, il y a un match. Alléluia. Le pasteur Charles, tu le vois comme petit visage. Mais s'il commence à danser, il bat tout le monde ici. Alléluia. Où est sa femme? Elle est descendue. Alléluia. Vous savez, sa femme est ma fille. Lui, il a son église. Et puis sa femme est ma fille. Leur mariage était bloqué. Elle dit, viens voir mon papa. Viens voir mon papa. C'est à Bobo, tu étais? À Bobo, dès qu'il est venu, il est assis dans la chaise, il est regardé. Il est parlé dans sa vie. Aujourd'hui, ils sont mariés. Il parle de bagues.
Tu as parti à ta part aujourd'hui. Amen. Si ton mariage était bloqué, tu as maintenant dans la célibataire ici. Amen. La main de Dieu. Il a appelé André. Viens. Et il t'a présenté, non? C'est sa femme qui était devenue. Mon fils et sa femme étaient devenus folles. Voilà. André, c'est le premier orateur. Mon fils. Quand je suis venu à commencer, les femmes projection de films, voilà les premiers qui sont venus regarder. Ils étaient petits comme ça. Les gens se moquaient de moi. Ils disent le pasteur, la vie, c'est les enfants, c'est moi et gagne. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas moins de 200 000. Il y a un qui dit 100 000, il n'a pas moins de 450 000. Il y a un autre qui dit pas seulement, il n'a pas moins de 400. Il n'a pas moins de 400. Eux tous, ils sont dans 200, 300, 400 000. Au début, les pasteurs se moquaient de moi. C'est les enfants, c'est moi, il a gagné. Mais regardez pas maintenant, regardez devant. On dit qui me bénit, c'est eux. Un est sorti ingénieur, l'un est dans la société, l'autre aussi est dans la société. Et quand ils arrivent là, ils disent 4, ils ont 4-5 000, 3-5 000, 2-5 000. On dit ici que non. Amen. Faut pas regarder, dis à ton voisin, faut pas regarder maintenant. Amen. Dieu te bénisse. Il y a deux pasteurs. Non, avant de présenter les femmes, mon pasteur d'Agoville, le bishop Samuel. Samuel, viens. Lui, quand il dit que tu as fait 5 minutes, il est fâché en même temps. Lui, il veut le tenir, pasteur. Il dit, papa, je veux tout seul. Il dit quoi? Alléluia. Amen. Vous connaissez Daddy Shekina? Vous connaissez Daddy Shekina? Il devait être là-bas. Et puis, il dit non. Dieu dit, ce n'est pas Daddy Shekina qui va le consacrer, mais c'est le pasteur Biz qui va le consacrer. Ça va le faire, grand pasteur. Tu auprès de Daddy Shekina, pied pousse là-bas. Il dit non, l'Esprit de Dieu dit, va chez le pasteur Biz. C'est lui qui est ton père spirituel. Aujourd'hui, il est le pasteur d'Agoville. On peut acclamer le Seigneur. Il va bientôt se marier. Amen. Voilà quelqu'un, lui, c'est pas moi, il est formé. Mais j'aime son affaire. J'étais à la maison et j'ai suivi tout le monde en direct. Voilà la caméra là. Je suis tout le monde depuis la maison, même dans la douche. J'étais en train de l'écouter, mon fils Adam. Lui, il a eu des pères spirituels. Peut-être même il a des pères. Mais c'est moi-même qui ai dit, viens. Je veux te prendre comme fils, je veux te former parce que je vois clair. Il est à Tanga, dans le village là-bas où les sorciers, les gros gougnons. Mais c'est un homme de délivrance, un homme de parole. Il a suivi tout son message. Il a parlé de Jésus, reviens. Il était dans la douche, mais il avait bien mis ça. Il a parlé de Jésus, reviens. Sois à ton poste. Tant, quand il a fini, on va prier. Taper dans les mains. Il a suivi tout. Un père suit le fils. Viens, mon fils Adam. Il est attendant. Il est quitté attendant pour venir. Alléluia. Il est déjà venu seulement un seul dimanche. On s'est vu dans le bureau. Sois béni, mon fils. La main de Dieu avec toi. Sois béni. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, je vais terminer. J'espère qu'il n'y a pas oublié. Il a terminé sur les deux femmes. Il y a qui? Ouais, il a terminé sur les deux femmes pasteurs. Elles ont fait école pastorale et puis elles sont sorties pasteurs. Elles sont sorties pasteurs. La première, pasteur Galéa. On acclame le Seigneur. Le pasteur Galéa. Olga, tu es là aujourd'hui? Ah, ça a chauffé. Le pasteur Galéa. J'aimerais qu'on acclame Jésus pour ça. Elle a pris son patron. Je dis bien son patron. Elle, là, c'est le district. Hein. Le district d'Abidjan, c'est eux. S'ils viennent fermer Maquilla, c'est eux. Quand on a fermé Maquilla, on a cassé le magasin, on a mur, on a cassé le bâtiment. C'est eux. Elle travaille au district d'Abidjan. Elle est un peu grimombée là. Voilà, elle est là-bas. Elle a pris un de ses patrons. Son patron était dans les problèmes. On ne le payait plus. Et on le payait, mais on dit, non, il faut aller t'asseoir à la maison. Elle dit, viens voir mon père. Le monsieur est monté, il est venu s'asseoir. Aujourd'hui, là, ils l'ont ramené. Le monsieur, elle me paye 100 dîmes. C'est fort. Hein? C'est elle qui a amené son patron. Elle dit, je ne suis pas pasteur, mais va, mon pasteur va prendre ta dîme. C'est ça la belle fille spirituelle. Que Dieu te bénisse. Voilà, elle a fini 2 ans d'école pastorale. La bishopesse de gloire. La maman d'Hilary, ma fille Anna Denise. Voilà, c'est pas parce qu'elle en fout. Elle a fait 2 ans
Après 2 ans maintenant, ils l'ont consacré, pasteur. Donc elle aussi, le dimanche, elle fait sa sortie. On va louer le Seigneur. Faut que tu sois là. J'ai béni ma fille. Maintenant, il y a 5 de mes filles. J'ai les formées pendant 1 an et puis après, moi-même, j'ai les consacrées. Julie vient, Marie vient, Alphonsine vient, Akeshi vient. Et ta petite soeur. Venez, le Seigneur m'a parlé. Hier, les formées, elles ont commencé à diriger ici. C'est elles qui dirigent le 3e culte de dimanche. Ouais, je vais les former. Parce que les pasteurs vont aller ouvrir l'église. Ils vont aller ouvrir l'église. Ils vont aller ouvrir. Venez. Alléluia. Amen. Voilà mes filles. Elles ne sont pas pasteurs. Mais elles vont commencer à diriger. Elles vont commencer à exhorter. Voilà. La plus ancienne, là, voilà. Elle est morte depuis longtemps. Après, c'est elle. Je la connais depuis 2001 à la Mécène. Après, c'est elle. Et puis, elle, ça à la radio, je la connais. C'est des femmes dynamiques. Elles vont commencer à remplacer les pasteurs ici, dans la direction. Acclamons Jésus pour leur. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Maintenant que j'ai beaucoup parlé, que Dieu bénisse tout le monde, on va se tenir debout. On va prier. Et on va consacrer lui à Dieu. Attrape la main de ton voisin. Adassa. Prends le chant. Hein. Tu es mon ami. Attrape la main de ton frère. Attrape la main de ton frère. On va rentrer maintenant dans la phase active. Ça va commencer à chauffer. Ça va? Ça va bien? Tu es prête? Tu es prête? Tu es prête? Tu es prête? Vous êtes prêts? On peut aller. Hé ma vie, on peut démarrer. Ça va chauffer tout à l'heure. On va chanter le groupe musical. Il faut m'aller dans le groupe musical pour chanter seul. On fait 3 ans. Yeah. Pastro. Pastro. Il a où ça? Il a où ça? Pastro. Il a où ça? Écoutez. Semeret, arrête. Regardez-moi vous tous. Qui devant les autres. Regardez-moi vous tous. Je sais prêcher. Mais je ne vous ai pas appelé pour m'entendre prêcher. Je vous ai appelé pour oindre votre huile. Pour que lorsque vous partez à la maison, tous vos problèmes, quand l'huile la touche la tête, vos problèmes fuient vos maisons. C'est pourquoi je ne prêche pas. Si 10 pasteurs qui sont passés, ils n'ont pas prêché, c'est que ce n'est pas la fin. Ils ont prêché. Je ne peux pas venir prêcher, je suis venu pour oindre votre huile. Amen. Quand l'huile là va rentrer à la maison, quelqu'un va partir. Amen. Si quelqu'un vous fatigue, dès que ça rentre à la maison, la personne meurt. Le pourquoi, Seigneur, c'est qui fatigue la famille? Déjà, c'était le papa. Qui fatigue la famille, le village, hein? Il ne vient jamais à Abidjan. Lui et puis le maman, chien et chat. Seigneur, lui qui fatigue. Comme 4 belles-filles ne sont pas mariées. La personne n'a qu'à mourir la même semaine, le papa est mort. Et qui s'entend est le papa? Une de leurs soeurs. Parmi quelques soeurs, elle se dit pas dans la maison. Elle est accompagnée. Il y a des gens, vous riez, mais vous ne savez pas ce qui est dans leur cœur. Quand lui là va rentrer, ils vont tomber. Pardon. Si tu as peur, il ne faut pas consacrer ton huile. Parce que ça peut créer de bonnes choses comme de mauvaises choses. Il y a des gens, peut-être, tu ne veux pas les voir mourir. Mais si c'est eux qui vous fatiguent, ils vont tomber. Si c'est eux qui vous fatiguent, ils vont quoi? Ils vont tomber. Ils vont tomber. Il y a quelqu'un qui dit, même si c'est son enfant, mais il n'a qu'à tomber. Ne jouez pas à ce qu'on va faire. Ne jouez pas, je vous en prie. Quand l'huile va rentrer à la maison, soyez sincères. Je verse cette huile au nom de Jésus. Vous savez où les sorciers font la sorcellerie? C'est dans la douche. Et puis deuxième côté, la cuisine. Si vous voyez quelqu'un rentrer dans la douche, tout le monde dort. Il sort, on n'entend pas l'eau de pipi. On n'entend pas, il a tiré chasse d'eau. Il allait faire quoi? Il te pose question. Il n'y a pas l'eau de caca qu'il a tiré, il n'y a pas l'eau de pipi. Il fait quoi à 3 heures? Oh! Moi, je voyais les démons à l'œil nu. Maman dit, amenez mon enfant au catéchisme. Moi, je vois les démons, je vois Dieu. Je peux vous dire, Dieu a arrêté où? Je peux vous dire, où on a arrêté là? Dieu est où? À quel côté? Je vois Dieu. Les démons m'ont fatigué quand maman prend au bénit. Elle était dans la chorale, dont Orion et Saint-Thérèse.
maman sort comme ça, laissez mon enfant, chaque nuit je ne dors pas. Les démons viennent, ils m'apparaissent comme ça. Je suis paralysé. À 4h du matin, l'imam commence à la Akbar. Tu vois, tous les démons, là, ils passent entre les chaises du salon. Ils rentrent dans le mur. Et puis ils sont comme ombres. Quand ils arrivent, tu ne sais pas s'ils arrivent où ils sont. Tout est noir. Tu ne sais pas s'ils viennent ou ils vont. Je suis paralysé. Quoi. Maman dit, mon enfant va devenir fou. Chante-toi. Amène-le au catéchisme. C'est comme ça qu'on m'a amené à Sainte-Thérèse. Première année, deuxième année, troisième année, on m'a baptisé. Quatrième année, mon Seigneur a agréé qu'il est mort. Il m'a confirmé à Sainte-Bernadette. On m'a amené à l'église parce que je voyais les démons. Je les voyais. Mes yeux sont ouverts, je suis paralysé. Quoi. Et puis dans mon cœur, il dit, hey, quelqu'un n'est pas sorti pour aller pisser, ils vont me voir. Personne ne sort. Jusqu'à 4h. C'est quand il a lu le livre d'un sorcier qui dit 4h, l'heure où tous les esprits doivent retourner. Ceux qui sont quittés au cimetière, qui sont venus effrayer les gens, ils retournent au cimetière. Ceux qui sont sortis de l'eau, c'est là que ça m'a rappelé que quand l'imam criait à 4h, et puis je les vois, ils s'élèvent, ils me laissent. Je dis, maman n'est pas fait des chambres d'heure. Il est dormi au salon, mon grand frère allait. Ils sont là comme ça. Quand il entend Allah Akbar, puis tu vois, il est 4h. Eux tous me regardent comme ça. Puis les chaises du salon qu'on a pliées là, ils passent à travers les chaises. Ils rentrent. Donc pour dormir la nuit, là, on laisse la lumière allumée. Tout le monde autour de moi. Quand je commence à dormir, on éteint. Et puis ils arrivent. La photo de mon papa me regarde et puis ça rit. Elle souffert. Avant d'entrer dans la chambre de ma maman, il y a deux photos. Photo de mon papa. Et puis il fait rêve. Maman dit, va prendre mon sac. Quand il arrive, quand la photo me regarde, ça arrive. Tout doucement, il écrit la nuit. Je vois un bus qui arrive. Le bus arrive. Un enfant fait quatre pattes. Et puis on me dit, le bus là va écraser l'enfant. Ah, c'est faux, hein? Il n'y a rien. Mais moi, une fois le voit, il court au salon comme ça. Il prend l'enfant. Et puis quand le bus arrive, c'est dans les chaises, il s'appelle. Il prend dans la chaise là comme ça. Ma tête tape chez ça. Moi, maman dit, mon enfant va devenir fou. Maman a souffert. Elle prend au béni comme ça. Laissez mon enfant. Il vous a fait quoi? Il est juste son dernier enfant. Il vous a fait quoi? C'est comme ça, un bon jour de chante. Va l'inscrire au catéchisme. Les démons sont réels. Quelqu'un rentre dans ta douche. Il dit sans pisser. Hey, même s'il n'y a pas l'eau dans son. Entends, hein, voilà. Il rentre, il ne parle pas, il ressort. La douche est le lieu de communication. Deuxième côté, la cuisine. Vous ne remarquez pas que nous, les Africains, dans la cuisine, on a toujours carton. Où il y a chaussures, il y a un pied, il n'y a pas deux pieds, mais on ne jette pas. Il y a assiette et rouillé, mais on ne jette pas. Il y a toujours un côté où on garde les vieilles choses, mais on ne jette pas. Quand tu as jeté, maman dit pourquoi tu as jeté? Si le maman c'est un pied, dit bon, laissez moi ma chose. C'est l'esprit de pauvreté. Le blanc, regardez Baf là, regardez Baf qui est là, regardez à côté de mon fils, regardez la deux Baf qui a vendu. C'est une fille qui sortait avec un blanc, une de mes filles. Le blanc a payé un magasin à zone 4 et puis il a mis ça. Les deux Baf, il a payé. La fille a commencé à faire, ses camarades blancs sont venus, ils ont commencé à boire. En buvant, ils ont breaké sa femme. Il dit, ah, moi, j'ai ouvert bas pour toi. Et puis, mes camarades blancs te break. Ferme. Quand elle a fermé, là, elle a ramené à la maison. Tu sais ce que le blanc dit, baf là, le gêne. Ça me gêne, ça me comble la maison. Nous, les Africains, nous, on prend tout, on met. Lui, il dit, baf là, le gêne. C'est elle qui m'a vendu ça à 200 000. Il dit que ça le touffe. Baf qui a arrêté là. Il dit, ça le touffe. À nous, dans nos maisons. Pied gauche est là, pied droit n'est pas là, on ne jette pas. Cheveux, elle s'est peignée, c'est resté un peu dans peigne, c'est là. On ne jette pas, hein. Pagne là, c'est déchiré un peu, c'est là. Tout est rempli quelque part. C'est un esprit de pauvreté qui fait ça. Vos habits déchirés, jetez. Même s'il y a un petit trou, ne porte plus, jetez. Si tu as fait un rêve, et puis tu t'es venu en habit déchiré, ça veut dire quoi? Mais pourquoi maintenant, vrai là, c'est pas un rêve, et puis tu portes? Jeter tout ce qui fait pitié. On va chanter ce chant. Ferme tes yeux. Aujourd'hui, il y a un cas qui s'est renversé. 22 morts. Hier. Un cas qui s'est renversé. 22 morts. Il y a eu 22 morts. Ils ont commencé à tuer les gens. C'est 16. C'est 16 morts, non? 16 morts. Un cas vient de se renverser. 16 morts. Les sorciers ont commencé à tuer. Un jour, il s'est arrêté comme ça. Il s'est couché, puis le roi épervier. Épervier qui atteint de l'homme. Ils se sont volés comme ça. Trois éperviers sont descendus sur la route. Or, quand tu voyages, tu es en brousse là. Il y a un moment, il n'y a plus de maison. C'est les arbres qui passent là. Ils sont descendus comme trois éperviers. Puis les pattes là, c'est long comme ça.
Et puis, il ressemble à un corbeau, mais ils ont plusieurs couleurs. Trois sorciers. Celle-là, ça n'a même pas duré, les petits brouteurs. Ils ont montré un jour les petits brouteurs, quatre, à Port-Bouy. On les faisait sortir. Le Seigneur dit, les missiles vont causer accident. Ils se couchaient comme trois oiseaux bizarres, qui ont taille de l'homme. Ils se sont mis sur la route et puis ils attendaient les cars qui venaient. On va chanter ce chant. Je vais toucher quelques personnes et puis je vais consacrer lui. Et puis c'est fini. On va chanter ce chant. Ferme tes yeux. Il y a quelqu'un qui est derrière ta souffrance. Je te dis la vérité. Il y a quelqu'un qui est derrière ta souffrance. Il y a quelqu'un qui est derrière ta souffrance. Si vous ne voulez pas chanter, je vais appeler des filles dehors là-bas. Elles vont chanter. Il y a quelqu'un qui est derrière ta souffrance. Chante. Je sais que tu es là. Consens-toi. Jésus-Christ. Consens-toi. Je sais que tu es là. Attends le Seigneur. Je sais que tu es là. Tu es que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme. Mon âme te bénit. Mon âme. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te chante. Pourquoi tu es là? Parle à Dieu. Si c'est ton mariage, parle à Dieu.
Si c'est ton mari, parle à Dieu. Si c'est tes enfants, parle à Dieu. Si c'est un problème de santé, parle à Dieu. Dis à Dieu pourquoi tu es là. Il te demande. Tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le sang d'Abrababo, c'est que les démons. Parle à Dieu. 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 Voyagera.
Commandons, aidez-les. Aidez-les. C'est une parole pour quelqu'un. Après ton mariage, tu voyageras. Il ne faut pas m'accasser quelque chose. Il ne faut pas m'accasser quelque chose. Après ton mariage, tu voyageras. Après ton mariage, tu voyageras. Depuis que tu as 8 ans, ma main est sur toi. Depuis que tu as 8 ans, ma main est sur toi. Depuis que tu as 8 ans, ma main est sur toi. Tu es ma servante. Tu vas me servir. Tu vas prêcher ma parole dans les marchés. Tu vas prêcher ma parole dans les bateaux. Tu vas prêcher ma parole dans la rue. Il y a une onction qui va descendre sur quelqu'un. On va penser qu'elle est folle, mais elle n'est pas folle. Il y a une onction qui va descendre. Elle va tout casser. Elle va tout mélanger, tout mélanger. On va penser qu'elle est folle, mais elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Une onction de miracle. Recevez. Il y a des femmes qui pleurent pour leur foyer. Il y a des femmes qui pleurent pour leur situation matrimoniale. Elles sont venues ici. Elle pleure pour la situation de foyer. Mais laissez-moi vous dire, de la même manière vous êtes venu, problème de foyer. Vous retournez avec la solution. Et vous direz, c'est dans une petite église que j'ai reçu mon miracle. Un vent est en train de souffler. Regardez parmi les choses. Un vent est en train de souffler. Regardez parmi les responsables. Enfant est en train de souffler. Regardez parmi les responsables. Enfant est en train de souffler. Enlevez sa lunette. Enfant, donnez ma lune. Enfant est en train de souffler. Elle a pleuré. Donnez ma lune. Enfant, je vois la tête à l'endroit. Donnez ma lune. Le sol commence à chauffer. Regardez, le sol commence à chauffer. Aidez la commando. Le sol commence à chauffer. Je vous dis la vérité. Le sol commence à chauffer. Aidez-le, elle va casser ici. Elle va tout mélanger, attraper la main. Elle va tout mélanger. Tu as su que tu peux l'attraper. Le sol commence à chauffer. Prends ta bague de mariage. 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 Sors. Mets la douce à terre. Elle a tous pas à terre. Là, comment elle a suivi? Elle a besoin de délivrance. Aidez-le. Bon esprit avec toi. Aide-toi. Touche. L'esprit. Lui, il est à droite. Lui, il est à droite. Le sol commence à chauffer. Le sol commence à chauffer. Aidez-le. Il ne faut plus esprit. Le sol commence à chauffer. Il ne faut plus esprit. Le sol commence à chauffer. Elle va tout casser. Elle va tout casser. Et il coule. Un homme blanc, il coule. Le sol commence à chauffer. Amenez la devant. Tombe de vision. Tombe de révélation. Amenez-la. Amenez-la. C'est fort. Ce qui va se passer est fort. J'assure que tu peux tenir. J'assure que tu peux tenir. Elle est déjà à l'aéroport. Donnez ma vie. Lui, il est toujours à droite. Je libère ta vie. Sors. Elle ne touche pas à terre. Sors. Elle ne touche pas à terre. Sors. Prends l'esprit. Prends l'esprit. Allez. Allez. Prends l'esprit. Soulevez-la. Amenez-la devant. Il y a une option. Laissez-le. Prenez. Il y a une option. 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 Par esprit difficilement. Amenez-la devant. Prends l'esprit. Touche. Touche. Je sais que tu es là. Joue, je sais que tu es là, cet esprit. Mon âme te bénit. Voici l'onction. Voici la grâce. L'onction de mariage. Reçois. Ça sera fort. Le ciel commence à chauffer. Le ciel commence à chauffer. Monsieur, tes problèmes sont finis. Le ciel commence à chauffer. Recevez. Ça commence à monter. Recevez. Prenez l'esprit avec vous. Prenez l'esprit avec vous. Ça commence à chauffer. Il y a une option.
pas ta main. Il y a le pouvoir qui commence. Pour ton business, pour ton affaire, il y a le pouvoir qui recommence. Dieu te lève. Touche. Le Seigneur te met au large. Toi, il aurait besoin de toi. Pour interpréter. Un bonjour. Va venir à ton père pour interpréter. Prends l'esprit. Amène-la devant. Amène-la. Prends l'esprit. Dieu bénisse tes activités. Dieu bénisse ta vie. Prends. Amène-la devant. Voici l'onction. Voici l'onction pour la grâce de Dieu. Ne touche pas ton père. Merci Seigneur. Prenez l'esprit. Mighty God. Prenez l'esprit avec vous. Recevez la grâce. N'entourez pas les gens. Quand les gens sont agités, c'est là que vous entourez les gens. Laissez-moi prier pour les gens. C'est pas tout le monde. Prends ton billet d'avion et quitte ce pays. Prends ton billet d'avion et quitte ce pays. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu me dit que tu es Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. C'est sur toi ta famille va monter. Je te dis la vérité. Il y a une option. Il y a une grâce. Toi, fais attention aux gens. Tu es le Joseph de ta famille. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Time's God's coming. Time's God's coming. Le temps de Dieu est arrivé. Time's God's coming. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Attrapez-la. Amenez-la devant. Amenez-la devant. Amenez la salle là-devant. Amenez-la devant. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Tu seras la chapelle de ton vie. Oui, parce que tu es la prison. Tu seras la chapelle. Ouais, la chapelle. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Elle est sensible à l'esprit. Elle est sensible. Le soleil. Un bon souffle. Aïe, aïe, aïe. Elle va tomber. Amenez-la devant. Amenez-la devant. Amenez-la devant. Amenez-la devant. Prenez l'esprit. C'est moi qui t'ai attiré ce soir. Je vais te faire monter encore un dimension de gloire. C'est moi qui t'ai attiré. Prie l'esprit. Je change ta vie. Levez-vous. Vous tous êtes dans le destin. Levez-vous. Elle est découragée. Elle ne pourra plus en son mariage. Il ne pourra plus que sa situation peut changer. Il ne pourra plus. Le Seigneur fait voyager ce jeune homme. Le Seigneur élève et bénit ce temps. La main de Dieu est sur toi. Assis la grâce. Levez-vous. 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 Recevez. Vous qui êtes devant, attrapez vos mains. Marié. 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 Vous êtes marié. Vous trois, c'est un marié. Marie, à la mairie, donc vous ne voulez pas marier. C'est un seul qui est marié. Fermez les yeux. Je vois des femmes que Dieu veut bénir. Je vois des femmes d'affaires. Je vois des femmes que Dieu veut élever. Pendant que je suis en train de parler, ne la touchez pas. Quelque chose se passe. Assommez-lui prendre quelque chose. Assommez-lui prendre, ne la touchez pas. Assommez-lui prendre avant dormir. Avant dormir. Avant dormir. Avant dormir. Avant dormir. Laissez-la dormir. Assommez-lui prendre quelque chose. Mets-la doucement à terre. Assommez-lui prendre quelque chose. Elle est venue prendre quelque chose. Allez, sort. Sort. Elle est venue prendre sa délivrance. Sort. Libère sa bague. Libère son mariage. Pas libère la paix. La paix dans son foyer. Pas libère son mariage. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Sautez. Sautez. Après, vous les amenez devant. Merci, cet esprit. Laissez-les. Après, vous les amenez devant. L'onction est là. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Je suis venu te conduire dans ton mariage. Je suis venu te conduire dans ton mariage. Je suis venu te conduire. Cette femme a tout, mais on l'a volé. Cette femme a tout, mais on l'a volé. Il est en train de te visiter. Il est en train de te guérir. Celle-là, il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a l'adoration de sa famille.
toi, oui. Prends ça pour toi. La grâce est sur toi, servante de Dieu. Il y a une onction de restauration. Pardonne-moi lui. Il y a une onction qui est là. Le temps de vivre. Allez, sors. Libère son mariage. Libère son mariage. Soulevez-la. Soulevez-la. Amenez-la devant ses forces. Sortez. Sors. Sors. Je sens un esprit qui s'en va. Je sens un esprit qui s'en va. Reçois. 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 Sortez, sortez, amène la devant, soulève-la, soulève-la, vous avez beaucoup pourquoi, soulève-la, il y a une option de mariage, 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 recevez, attrapez-la, attrapez-la, recevez, elle a dormi sous l'onction, elle a dormi sous l'onction, elle a dormi sous l'onction, mettez-la doucement à terre, prends ta délivrance, prends ton miracle. La notion de mariage, la notion, je la sens. Elle est ici. Elle est ici. Amène-la devant. Le Seigneur l'a libéré. Attrapez-la, c'est fort. Attrapez-la, c'est fort. Il est en train de briser les gens. Il est en train de briser les gens. C'est fort. C'est fort. Allez, pousse ton cri de sang. Pousse ton cri de sang. Pousse ton cri. Où sont les pasteurs? La sang de Dieu venait libérer les gens. Libère son mariage. Libérez le mariage. Sortez, mettez-la doucement à terre. Mettez-la doucement à terre. Sortez. Amenez-la devant qu'elles vont se lever. À guérison. Il change ta situation. Oui, il change. Le moment arrive où tu arrives à la voiture. On est ici, on n'est plus ici. Et c'est pas là, tu arrives à la voiture. Amen. Le moment arrive. Amen. Ceux qui sont derrière peuvent sortir. Ça va? Qui vous a invité? Je venais avant. Il y avait une fille au plateau. C'est pas elle. Il y avait une fille qui me dit à la radio au plateau qui était venue avec un monsieur du plateau. C'est pas toi. C'est pas toi. Je viens. On s'en va quelque part. Je vois une voiture dans votre main. Vous avez permis? Vous avez permis? Je vois une voiture dans votre main. Je viens, ces paroles-là vont se réaliser. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Laissez-la. Prenez l'esprit. Ne la bloquez pas. Prenez l'esprit. Ça sent le mariage ici. Ça sent le mariage ici. Ça sent le mariage ici. Sors. Allez, sortez, sortez, la sirène des eaux, elle est dans les deux femmes. La sirène des eaux, elle est dans les deux femmes. Manifestez-vous. Voilà, la sirène est dans les deux. La sirène, il y a une qui est esprit de python, esprit de serpent. Il y a une onction. Il y a une onction. Où est lui là? Levez la main. Laissez-moi vous toucher d'abord. Vous qui êtes devant, restez en prière. Je viens. Ça sent la dot. Ici là, ça sent dot. Avant le mariage, ça sent dot.
Avant la mairie, je sors la tombe. Il arrive. Il arrive, le frère arrive. Attends, prends l'esprit avec toi. Amène la devant. Jésus. Il n'y avait pas tout de suite là. Il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas tout de suite. Amen. Ça. Ça. Pas dans son doigt, les esprits de l'eau sont là. La malédiction n'est pas son partage. Allez, prends l'esprit avec toi. Marie-toi, prospère. Au nom de Jésus, la situation change. Elle change. Elle change. Voilà le son. Prenez, c'est fort, c'est fort. Elle va dormir. Elle va dormir. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Elle va dormir. Voilà, il y a un esprit dans la suite. Les autres pasteurs là, où vous êtes? Au nom de Jésus.
de Nazareth. Jésus-Christ. De Nazareth. Touche. Je touche la situation. Assis la grâce. La bague est là, mais l'homme ne veut pas te laisser. Regarde-moi. Casse tes œufs. Sonne-le. La voyage. Montrez-moi tout ce qu'il y a. Au milieu. Il y a des gens en bas. Levez la main. Quand les gens sont trop comme ça, il faut que je prie en même temps parce qu'ils sont trop. Fermez les yeux. Il y a une onction qui est là. Il y a une parmi vous qui sera utilisée puissamment. Ne me serrez pas, j'aime pas ça. Il y a une parmi vous qui sera puissamment utilisée parce que je vois ses yeux. Elle sera comme une prophétesse. Je ne sais pas c'est qui, mais les yeux de une, c'est en train de briller. Les yeux de une, c'est en train de briller. Recevez votre grâce de mariage. Après cette veillée, quelque chose se passe. Tu as trop pleuré. Voilà la réponse à ta prière. Reçois, montre-moi ce qui n'est pas encore touché. Allez, va-t'en. Elle est en train de pleurer. Soulevez ses pieds. Amenez la délivrance. Un pasteur n'a qu'à cogner sur tes esprits de l'eau. Oh my. Mon fils Adam, qui a dit à François, là, c'est lui qui a venu prier. Et vous qui êtes ici, Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta grâce. Priez pour eux. De la touche nette, puis j'entends mariage. J'entends mariage. La main du Seigneur est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Prenez l'esprit. Recevez la grâce. Prenez l'onction du mariage. Prenez la grâce. Après cette veillée, quelque chose se débloque. Merci. Sois béni. Mon fils a prié, la balle est dans ton camp. Pourquoi moi j'aime pas prier pour les béquilles? Après ils auront cherché. Il y a une maman, elle a l'esprit de béquille, elle a commencé à vous. Tout le monde a prié le Seigneur. À la fin. C'est pas pour toi. Non, il n'y a pas de problème. À la fin, une petite fille est venue dire, maman, Dieu veut la béquille. Jésus-Christ. Jésus-Christ, reçois ta grâce. Tu as prié. C'est ton temps de rire. Il y a une onction qui est là. Je vous dis la vérité. Il y a une onction qui est là. Le Seigneur t'élève. Prends l'esprit avec toi. Ta situation change. Prends l'esprit. Voici la grâce. Papa, déblocage financier, prends ton miracle. Touche. Jésus-Christ te lève. Sont mes enfants qui sont là. Depuis Amélie, la main de Dieu sur vous. Touche. Oh, la jolie Annie, une porte est ouverte. Elle m'a rendu un témoignage. Une porte s'ouvre. Ce que je suis en train de faire, je vais toucher d'abord tout le monde. Et puis après maintenant. Receive the grace of God now. Touch, mais à tous par la tête. Elle est sensible. Je la touche, j'entends mariage. C'est la quête de Dieu. Je la touche et j'entends mariage. C'est la quête de Dieu. Prends l'esprit de toi. Mets la touche par la tête.
Le lien de famille se brise. Le lien de famille, sa prière derrière. Sa prière. Sur le reste, après vous allez voir. Elle va se battre avec vous. C'est la lien de famille. Sur le reste, après vous allez voir. Elle va se battre avec vous. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de miracles. Je suis l'Éternel, le Dieu de miracles. Ah, elle est venue tôt, cette femme-là. Elle est venue vite. Seigneur, je lui libère sa vie et sa grâce. Je lui libère sa vie. Veillez si elle est venue tôt. Prends ton mariage, prends ton voyage, prends ton déblocage. Mettez-la doucement à terre. Dieu est avec elle. L'onction est sur sa vie. Touche. Ne veux toucher d'abord tout le monde. Touche. Tu vas toucher trop. La zone que tu vas toucher est trop. La zone que tu vas toucher est trop. Prends l'esprit avec toi. Touche. On s'en va quelque part. La zone d'arriver devant un mariage dans ma tête. La zone c'est de blocage. Que j'entends. Un miracle arrive. Prends l'esprit avec toi. Touche, mon fils n'a jamais, depuis mon goût à jamais, n'a jamais manqué de rien. Ah, il a où est l'huile là? Tu dors bien. Il a où est l'huile? Tout ce que ma mère a touché, quand vous allez aller aggraver encore l'huile à la maison, il aura des décès. Vous qui êtes devant, regardez-moi, vous qui êtes devant, n'allez pas vous asseoir. Il y a des gens qui sont en bas. Si elle ne touche pas, elle va dire on les a oubliés. Restez main dans main. Je descends et puis si elle remonte, c'est fini. Attrapez-vous. Venez-vous tous. Venez-vous. Et aussi, ils font partie de l'île. La prochaine veille ne seront plus ici. Ça sera dans un terrain, sur un terrain, pour que tout le monde soit en place. Et puis maintenant, il n'y a plus quelqu'un. C'est la dernière veille. Seigneur, communique les règles. Elles sont devant, elles ne se sont pas prêtes. Elles ne se sont pas fâchées. Prenez. Prenez. T'as une cabagage pour moi. T'as une cabagage comme ça. Amen ta bagage pour moi. Amen la vie. Amen en haut. Amen la vie. Amen ta bagage pour moi. Elle est la bagage voyage. Elle est la bagage voyage. C'est ce que je vois. Bagage voyage. Et pas de l'homme. Prenez l'esprit. Stéphanie, tu es belle comme le soleil. Ton mariage sera très beau. Et très beau. Je sens ça. Ma fille, toi tu as bagage voyage. C'est-à-dire le Adidas. Des femmes qui prennent l'avion pour aller. C'est ce que je vois. Celle-là, elle est sensible. Elle tombe beaucoup. Suivez-la. Elle est sensible. Elle tombe beaucoup. La prochaine veille n'aura pas lieu ici. La prochaine veille aura lieu si elle est là. Que tout le monde ne soit pas là. La grâce de Dieu. Prends ta grâce. Prends ta grâce. Je libère ton mariage. Je serai. Diallo. Oh, lui là. On a dit qu'on ne faut pas. Alors, on a dit qu'il ne faut pas oublier. Le soir, amène-la devant. Touche. Attrapez-la. Attrapez-la. Où ils sont? Amène-la devant. Amène-la en haut là-bas. Qui est devant en haut? Maman, tu es en bas et puis tu ne peux pas venir. Ça ne peut pas t'arriver en haut. Le soir. Le soir. Voilà une autre encore. Touche. Touche. Esprit de Dieu. Touche. Touche. L'esprit de Dieu. Touche. Dieu les élève. Ça les va voyager. Touche. Il y a une onction ce soir. Il y a une onction. La grande sœur de Sarah, tu vas réussir. Retiens bien ce que je dis. Tout le monde devant toi, il te dit ça. Tu vas réussir. Merci, Seigneur. Prenez l'esprit en vie. Prenez l'esprit. Ta fille qui pensait être heureuse, c'était vraiment, il n'y avait pas besoin. Prenez l'esprit. Touche. Amenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit avec toi.
donner les deux. Il laisse pas monter. Bon, elle peut toucher là. Ça va toi. Merci, tu connais Apollinaire? Oui. Apollinaire, c'est qui? C'est quoi? Ton beau-père. Ça veut dire papa de la femme et de Dieu. Combien moi? Laisse Marie et ta maman. Ça vous a l'air en vous. J'entends Apollinaire. Je te touche, j'entends Apollinaire. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi Dieu peut me parler d'Apollinaire? Là, il compte. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Touche. La main de Dieu est sur toi. Au nom du Saint-Jésus. Après le premier dimanche, on libère mon bébé Choco. Et après Choco, on libère mon petit bébé. Prends l'esprit avec moi. Sois fortifié. Prends l'esprit avec moi. Sois fortifié. Allez. Prends l'esprit avec moi. Sois fortifié. J'enlève l'esprit de Dieu. J'enlève douleur de deuil sur toi. J'enlève le deuil sur toi. Retrouve-toi comme avant. Prends l'esprit de Dieu. Merci. Que le courage arrive. Une bague brille. Donnez-moi, il est où est une là? Une bague est en train de briller au doigt de pourquoi les gens ne croient pas? Pourquoi les gens pensent que c'est un rêve? Une bague vient de briller dans le noir. Moi, mais il a voulu bien regarder pour voir c'est quoi. Je pensais que tu avais fait coco derrière moi. Une bague était de briller à ton doigt. Que le Seigneur t'utilise dans ce quartier pour surprendre les gens. Afin que les gens soient étonnés. Rentre de ta destinée. Rentre de ton miracle. Au nom tout puissant de Jésus. Montrez-moi tout ce qu'il n'y a pas encore touché. Le temps de Dieu. Le bagage pour voyager. Bagage. Lui, il va servir Dieu. Lui, il va servir Dieu. Lui, il va servir Dieu. Il va servir Dieu. Son papa a voyagé. Vous aussi vous allez voyager. Parce que bizarrement, je vous regarde, vous êtes allé. Touche. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et Pauline me va. Elle est ma fille. Hein? C'est moi qui se chauffe. Et responsable soir. Prenez l'esprit avec vous. Tu vas monter. Tu vas monter. Ceux qui sont sous le soir, elle est là déjà. Et les nouveaux n'ont pas fait. Montez mes enfants. Prenez l'esprit avec vous. Et puis montez. Prenez l'esprit avec vous. Et puis montez. Assis la grâce. Assis la grâce. Assis la grâce. Aïe, 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 aïe. Touche. Ah, enfin. Au ciel. Ça va, viens ici. Tu as béni mon enfant. Viens, viens, Sarah. Viens, viens, ici. La grâce de Dieu est là. Eh, hey, c'est mon bébé, même, mon bébé. Après premier dimanche, on libère Choco. Après Choco, c'est toi. Il a dit ça à ta maman. Il s'appelle. Levez la main dans le ciel, toi. Sois dans le collimateur de Dieu. Levez la main dans le ciel. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La caméra ne tient pas ici. Tu veux aller là. Levez la main. Faites-toi mon fils qui a soulevé sa bouteille. Il n'y a pas dit de soulever ma bouteille. C'est son aspect sérieux. C'est ça qui me plaît. Il est sérieux dans ce qu'il fait. C'est ça qui me plaît. Fermez les yeux. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Elle est le jour. Le jour passe, c'est neuf. J'ai jamais aimé ce nom. Arrête ça et puis tu mouilles. Fermez les yeux. Soyez disposés. Il est ici. Maman ne pleure plus. Femme ne pleure plus. C'est ta dernière année d'être célibataire. C'est moi qui te le dis. Pendant que je parle, un ange en train de nettoyer ton doigt. On va bientôt mettre une bague. Un autre ange en train d'enlever ta chaussure. On te fait porter chaussures blanches. Un ange en train de nettoyer tes doigts. On va mettre la bague. Il y a quelqu'un qui est en train de briser. Chez vous, on adore l'eau. Il est en train de briser les adorations de l'eau.
Il y a un mari de nuit qui vient coucher à toi pendant que tu dors. La main de l'Éternel te libère. Tu as mal à la tête, tu reçois ta guérison. La main de l'Éternel descend sur vous. Recevez, recevez, recevez. Ça va devenir fort, ça va devenir fort. Je te vois, tu es en train de pleurer pendant que les autres rient. Toi, tu es en train de pleurer dans ton cœur. Le Seigneur est en train de te délivrer. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a une onction qui arrive. Il y a une onction qui descend. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Amenez-moi tout le monde, un à un. Je les touche, puis ils vont s'asseoir. Attendez d'abord. Seigneur, merci. Tu pointes mes mains pour la délivrance, la guérison, la bénédiction, le miracle. Au nom tout puissant de Jésus. Laisse-les. Quand tu les amènes, tu les laisses. Prends l'esprit avec toi. Si elle veut tomber, tu la mets doucement à terre. Amène-moi tout le monde, laisse-la. Prends l'esprit avec toi. Ce qu'il y a touché, peut aller s'asseoir. Bien, prends l'esprit avec toi. Ah! Lui, là, ça va gâter des choses là-bas. Ah! Prends ton mariage avec toi. Attrape-le. Prends ton miracle. Jeune fille, voilà ton miracle. Ce que je touche peut aller s'asseoir. Maman, voilà ton miracle. Quand vous les amenez, ne mettez pas ta main derrière. Laisse-les venir. Prends ton miracle. Aïe, 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 elle va tomber. Elle est venue prendre quelque chose. Un lit est derrière elle. Le Seigneur l'attend pour la soigner. Il veut changer sa vie, sa situation. Belle femme, confort. Mais depuis là, il n'y a pas mairie. Il y a des hommes forts du village. Village des amants. Des hommes forts qu'on adore. Des esprits qui gâtent ses alliances. Des esprits qui gâtent son mariage. Ces esprits qui empêchent qu'elle rentre à la mairie. Parce que si elle rentre à la mairie, c'est pas bon pour eux. Le Seigneur est en train de la libérer. Le Seigneur est en train de la libérer. Je vois une étoile en train de briller. 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 Reçois ta grâce. Ta situation m'a marqué. Mais la douce matin, prends l'esprit avec toi. Elle est sujet de joie. L'eau qu'on adore ne peut pas te laisser être mariée. Tu aimes les gens, mais les gens te trahissent. Tu aimes les gens, mais c'est toi qu'on trahit. C'est toi qu'on trahit toujours premier. C'est toi qu'on laisse. Mais l'esprit de mort qui est de ta famille, et puis l'esprit de l'eau, ça fait qu'il y a un esprit de souffrance qui est derrière toi. Mais ce soir, les chaînes se brisent. Tu vas dire, ça arrive dans une petite église. C'est après ça que les portes se sont ouvertes. Prends ta grâce. Allez, fais la douce matin. La mort est l'eau. La mort est l'eau sans vous. La mort est l'eau sans vous. Allez, quitte là. Fais la douce matin. Saute. Allez, allez. Il y a une adoration d'enfant dans sa famille. Aïe, 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 aïe. Je te donne 4 semaines. Je te donne 4 semaines. Je te donne 4 semaines. Ta situation commence à changer. Amenez-moi tout le monde. Mes maladies sont touchées. Prends la grâce de Dieu sur toi. C'est sûr. Venez-vous tous. Venez-vous, c'est la dernière touche. Prends ta grâce. Prends ta grâce. Prends ta grâce. Prends ta grâce, maman. Ça, là, il va partir. Il est dans son cœur. Il est dans son cœur. Il va partir. Il est dans son cœur. C'est un esprit de colère. Il va partir. Il est dans son cœur. C'est un esprit. Prends ta grâce, toi, on va se voir. Prends ta grâce. Ma fille, la chinoise, l'esprit de Dieu, au mariage, au voyage. La grâce de Dieu est sur toi. Prends l'esprit, attrapez ces deux femmes. Elles vont dormir sur l'onction. 1, 2 et 3. Elles vont dormir sur l'onction. Elles vont dormir sur l'onction. Dans le mari, on dit que tu es la seule mariée de nous. Mais le Seigneur restaure tes finances. Il restaure tes finances. Prends l'esprit. Prends l'esprit, j'entends ma servante. Prends l'esprit, intercesseuse, femme de prière, femme de vision, femme de révélation. Tu as soutenu beaucoup, mais tu as trahi beaucoup. La main de Dieu est sur toi. Ta maladie est guérie. Le Seigneur te libère. Prends l'esprit. On se voit dans le bouton pour célébrer ton mariage. C'est la fin de tes pleurs. C'est la fin de ta souffrance. Maintenant, bébé, prenez. Adam, les deux filles là. Elles sont venues par la radio. Adam, ces deux filles-là sont venues par la radio. Je ne les connaissais pas. Mais dis-leur qu'après aujourd'hui, elles diront au revoir au Seigneur. Prends l'esprit avec toi. Prends l'esprit avec toi. Venez, touche. Venez prendre. Venez vite. Touche. Et tu peux tenir. Voilà ta grâce.
prends ton miracle. Aïe, 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 aïe. Touche. Laissez-la venir. Elle va dormir. Elle va dormir. Bébé, tu peux te dire, prends l'esprit avec toi. Laisse-la dormir. Prends ton miracle. Ramène-moi cette femme pour moi. Il la libère. Il la libère. Mettez-la doucement à terre. Prends ton voyage. Voilà, il est là. Il est en train de taper ma mère. Elle m'a même poussé. Un chasseur, occupez-vous d'elle. Attention, quand elle est elle n'attrape pas quelque chose pour déchirer. Casse tes yeux. Attends, passe en dedans pour la libérer. Lui, le village en train de la sortir. Attends, venez, il y a le parfum de Dieu sur votre papa. Prenez, prenez le parfum de Dieu qui est sur votre papa. Prenez, Jésus-Christ. C'est ma saison. Je te demande de faire confiance pour soutenir ton mari. Je te demande de faire confiance pour soutenir ton mari. Je viens d'avoir cette vision. L'argent arrive. Je te demande de faire confiance pour soutenir ton mari. Venez. Venez. Inès, ton bébé, elle est en bas. Prends ta grâce. Prends ta grâce. Inès, tu approches de la mairie. Petit à petit. Peut-être qu'il y a personne. Voilà ce qu'on te dit que tu approches de la mairie. Tu es bien attention. La grâce est avec toi. La grâce est avec toi. Tu montes encore. Tu montes encore avec ton Dieu. C'est la nouvelle chose que Dieu te donne. Touche. Touche. On va pleurer. On va pleurer. Tu es belle. Ton mariage sera bon. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Touche. Allez, allez, prise! Prise! Prise là-bas! Je vais bien ici. Prends l'esprit. Prise dans la reste du ciel. Prise dans la reste du ciel. Prise dans la reste du ciel. Prise dans la reste du femme de jeune, oui, c'est ton rôle, c'est ta position. Esprit de l'eau est derrière toi, elle ne peut pas te laisser. Je vois sur ta route que Dieu, quand tu étais petit, il plaçait, il lui a souffert, il plaçait des défenses devant toi. Mais l'esprit là ne t'a pas permis de profiter de la vie. Voilà une connaissance ici. Peut-être elle ne va pas, peut-être elle va venir, mais elle s'était dans le commerce. Les sanctions. Qu'à partir de tu vas se passer. Au nom de Jésus, qui a besoin de vous? Personne. Non, entre-toi. Lève-toi. Problème de vente. Oui, oui, il n'y a pas ici aussi. Ça fait quoi? Il n'y a pas de problème de vente. Lâche la fille. Elle a pris sa femme. Je prie le malheur spirituel. Guéris. 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 Nom de Jésus. Je lève le mal. Touche. Elle va dormir ici. Elle avait dit prendre des vidéos. Je vois une colombe, une étoile qui s'élève. Touche. Elle va dormir. Ta force est l'intercession. Prie pour les hommes de Dieu. Prie pour les hommes de Dieu. Prie pour leur mariage. Ils sont attaqués par la sirène des eaux. Touche. Aïe, 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 aïe. À partir d'aujourd'hui, pour le même temps, sur qu'est-ce que tu reçois, faut pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu m'as aimé. Faut pardonner à tous ceux qui t'ont blessé, tous ceux qui t'ont humilié, même les gens qui t'ont blessé. Laisse tomber, parce que je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Reçois. Reçois, pardonne à tous ceux qui t'ont humilié. Olivier, là dans mon bureau, il y a quelque chose sur la table. Tu connais, tu prends tout et puis tu envoies. Cette femme-là, on lui a fait du mal. Pardon, et laisse tomber. Parce que je te vois voyager. Et j'entends pays Angleterre. J'entends Londres, j'entends Angleterre. Il y a comme quelqu'un, il y a comme quelqu'un qui m'a reçu. Il y a comme quelqu'un qui m'a reçu. Touche!
tous. Français, c'est arrivé en janvier. Que Dieu protège maman et bébé. Tous. Caméraman. Asseyez-vous. On va poser l'action, on va partir. Asseyez-vous. Elle n'est pas ta fille. Tu ne peux pas lui tuer. Tu es la sirène. Ton nom est la sirène. God bless your activity. God bless your activity. God bless your business. D'accord, ça va? Ça va, mon fils? Après cette veillée, il aura opération carte d'identité. Suivez-moi bien. Lève-toi. Tu as quelqu'un en Europe qui elle t'a jamais dit qu'elle va te faire partir. Jamais. Tu vas partir. Faut faire ton passeport. Tu as passeport. Faut faire ton passeport. Quelqu'un va te faire partir. Quelqu'un de proche de toi. Je sens ça. Et puis tu as la grâce de servir Dieu. Tu sais Dieu. Tu es serviteur. Acclamons le Seigneur. La main de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser dans le domaine prophétique. Son don sera le don des visions. Mais la sirène va beaucoup l'attaquer. Elle va l'attaquer. Il va dormir son morceau. Prends l'esprit. La grâce de Dieu est avec lui. Dans le doucement. La sirène va beaucoup l'attaquer. Son ministère sera attaqué par les femmes. Regardez-moi vous tous. Après cette semaine-là, on va laisser la semaine passer parce qu'il y a une maman qui est morte. Église de Marjorie, la maman chez qui on prie, elle est morte. Voilà. Elle avait un problème de sein. Elle est priée, elle est partie faire chimio. Elle ne devait pas faire chimio. En chimio, là, quand on te pique, ça enlève tes cheveux. Et puis c'est quelque chose que tu dois payer 250 000 par semaine pour changer ton sang. Quand elle allait se tuer. Oui. Ses enfants lui ont dit qu'il ne faut pas faire chimio. Elle allait faire chimio. La maman elle est morte. Donc le vendredi au petit marché de Marcory, il y a ses funérailles. Donc je laisse la semaine là passer. Je suis en train de donner des informations. Suivez ici. Après vous allez dire, on ne sait pas où vous êtes. On va laisser la semaine à passer. Maintenant, l'autre semaine, on va faire 3 jours de croisade au Vatican. Le petit marché de Marcory, le terrain s'appelle Vatican. Je serai là-bas, sur le terrain. On va faire 3 jours de croisade, opération carte d'identité. C'est-à-dire quoi? Tu viens avec ta carte d'identité. Le thème, Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Parce que si ta carte d'identité, il y a nom de ton papa, nom de ta maman, de né, le, taille, empreinte, nationalité, village. Tout se retrouve sur ta carte d'identité. Et le sorcier, là, il a dit quoi? On a jeté sa carte et puis on a fait quoi? On a marché. Un brigand est venu libérer la maison. Donc, on laisse la semaine qui vient passer. Trouvez-moi 3 jours au petit marché. Vous venez à pièce. Ceux qui ont passeport, venez à ça. Ceux qui ont des dossiers à déposer dans la société, vous venez à ça. Pour déposer. Opération 4 d'identité. Avant la fin de l'année, le Seigneur change son identité. Amen. Tous ceux qui n'ont pas dit amen, vous êtes vaincus. Donnez-moi les enveloppes. On va soutenir les 3 jours de la croisade. J'ai fait un podium à 450 000. Le podium est en bas. Mon plus grand podium m'a fait 1 million, mais c'est trop gros pour moi. Oh, les jeunes du quartier jouent ballon. Un jour, ballon, ils disent, il faut enlever pour Dieu. On ne peut pas enlever. Parce que pour le monter en 24 heures, pour l'enlever en 24 heures. Donc, j'ai refait un petit podium. Et le petit podium a fait 450 000. Ils m'ont livré ça avant-hier. Et c'est sur ce podium qu'on va faire les 3 jours.
Et tous ceux qui vont prendre les enveloppes pour soutenir les trois jours-là, c'est sur ce podium à IMC, une sur la tête. Tu as une semaine pour apporter ton enveloppe, du lundi à l'autre lundi. C'est-à-dire de ce lundi qui vient là, jusqu'à l'autre lundi, je suis au bureau, à partir de 18h. C'est ce que Dieu m'a dit. Après ça, il va consacrer le bouteille, puis tout le monde s'en va à la caisse. Ma mère a touché tout le monde. Ma mère a touché tout le monde. Elle sait que c'est la main de Dieu. Écoutez-moi bien. Donne-moi les enveloppes. Tous ceux qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ici à prier pour vous. C'est pendant le programme. Vous montez sur le podium devant tout le monde. Et puis je fais 1 000. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu fais 3 enveloppes de 100 000. Viens, Olivier. Attrape. Tu fais 3 enveloppes de 100 000. Ils sont allés tout mélanger. C'est pas qui allait chercher ça là-bas. Oh, vraiment. 4 enveloppes de 50 000. Un pasteur n'a qu'à venir. 100 000 ici. Mets-toi ici. Après 100 000, viens 50 000. Mes enfants là sont allés tout mélanger. 25 000, viens. Un pasteur n'a qu'à venir. Je ne sais pas qui allait chercher là. Un pasteur n'a qu'à venir. Mais 5 000, c'est 4. 100 000, c'est 3. 50 000, c'est 2. Un pasteur n'a qu'à venir. 10 000. C'est pour soutenir le podium. Parce qu'il faut payer le bois et les bâches. Attrape 10 000. Et puis, enveloppe de 5 000. Tiens, 50 000, là, c'est combien? Un 2 ici. Regardez bien. Un pasteur n'a qu'à venir prendre 5 000. Il n'a qu'à venir s'arrêter. Chacun va réfléchir. Où sa main arrive. Tout le monde doit prendre. Tu as jusqu'au lundi sur prochain pour amener ton argent. Lundi qui vient, là, si tu n'as pas, tu as jusqu'au dernier lundi. Quelqu'un n'a qu'à s'arrêter ici. Arrête-toi là. Écoutez-moi bien. Je suis un homme de Dieu. Je fais ce que Dieu m'a dit de dire. Il dit, fais 100 000 à toi. J'ai fait 50 000, j'ai fait 25 000, j'ai fait 10 000, j'ai fait 5 000. Tu te lèves et puis tu vas prendre où ta main arrive. Et puis sur le podium, le terrain du petit marché, c'est là-bas, il y a versé une sur ta tête en haut. Et ça sera le signe que tu seras élevé en 2021 parce que c'est en haut qu'on t'a béni sur le podium. Reste concentré. Si tu pars, tu donnes à quelqu'un puis tu vas t'asseoir. Tu penses que c'est abusement en train de faire. L'esprit disait quoi? C'est sa femme. Je vais demander à des personnes de se lever et de venir prendre selon où ta main arrive. Lève-toi. Tout le monde doit aller prendre. Tout le monde doit aller prendre. Où ta main arrive. Tout le monde. Tout le monde. J'ai dit tout le monde, lève-toi. Va prendre où ta main arrive. Va prendre où ta main arrive. Ma télé, ouais. Je sais pas. Allez, prends moi. Hey, il y a 100 000 ici aussi. Mais c'est là-bas, là, c'est pas moi. Allez, prends. Il y a 25 000 et puis il y a 50 000. Allez, prends. Quand il y a consacré les gens, il y a dit, on commence par 100 000. J'ai compris 100 000, montez sur le podium. Après 25 000, montez sur le podium. Et moi, j'ai dit 5 000. Voilà. Habit terminé ici. Venez prendre.